Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo unboxing, encore du Pokémon, mais cette fois du X-Studio. Toujours avec Julien. Toujours là. Bien. On fait ça à la suite du coup de Kyogre, en espérant que ça va être plus simple de construire cet Aquacop Psychoquac de X-Studio, sinon on va encore péter un câble. Ça devrait bien se passer. Mais ça devrait bien se passer déjà. Il y a l'air d'avoir moins de merde à foutre un peu partout. Et puis maintenant... On a le plan dans les yeux de toute façon. On a un petit plan donc. Donc ça va être plus simple. Et en général de toute façon avec X-Studio... C'est quand même un peu plus... comment je pourrais dire? Les emboîtements sont mieux faits. Alors, on va commencer par le top. Vraiment. On va dire que c'est plus sûr, quoi. Ouais, normalement. J'ai bien dit normalement, après. On peut avoir de belles surprises. Ouais, c'est ça. Hop, le petit socle. Bon, en tout cas, par contre, c'est mieux protégé que les serres, parce qu'il y a vraiment beaucoup de mousse noire, tout ça. Ok. Ok. La petite mousse. Eh. Franchement, c'est pas beau. Et ça tourne là? Non. Ça mais pas. Par contre, le socle, du coup, vu que c'est un peu le sable, en gros, pas mal. Hein ouais. Je trouve ça vraiment pas mal. Du coup, les gars, moi, je vous le tourne. Voilà. Vraiment plutôt quali. Hein. C'est joli. J'aime beaucoup les petites paillettes. Voilà, ça donne un petit côté. La mousse, c'est bien faite. Ouais, la mousse, là, tout là, même les coquillages, les coraux. On a un beau paint. PS, on est toujours fit le chat. Hein? Fit le chat, ouais. Ouais, fit le chat. Franchement, c'est beau. Oh, l'intérieur de la coquille, là, t'as vu? Ah ouais, pailleté. C'est beau. Ouais, franchement, pas mal. Ouais, bon, comme je disais, toujours fit le chat. non, franchement, très quali. Ouais. J'aime trop taper l'intrus, hein, vraiment. Je sais pas ce que t'as aujourd'hui, mais t'es encore plus chiant que d'habitude. Allez. Ah là là. Hop, reste à terre. Bon, on va continuer. On prend la caisse. Je pense qu'on va mettre l'anneau d'eau. Je pense que ça doit être la pièce d'après. Ouais. Je pense que ça se fait en deux pièces, en deux grandes pièces. Globalement, et après, en fait, on vient mettre tout au-dessus. Ouais, c'est ça. Ok, là, du coup, la grande pièce d'arène transparente. Et je rigole pas, je vais encore les enfermer, toi. T'as mangé, je veux pas te dire. Bon, petite coupure. Parce qu'on n'en peut plus. Il y a un énorme perturbateur. Énormément. Bon, alors, clairement, on voit tout de suite qu'en fait. C'est exactement la même, ils ont littéralement, pour ceux qui n'ont pas vu du coup, la océan groupe, c'est une pièce en fait que tu viens mettre entre les deux pour faire un effet d'eau. Donc c'est vraiment très stylé, mais tu vois tout de suite que de toute façon c'est le même studio parce que alors la résine transparente, voilà, c'est exactement la même ressemblance, à part forcément la forme qui change. Mais bon, c'est stylé, franchement, y a rien à dire sur ça. C'était stylé la première fois, je pense que c'est un peu mieux fini, t'as un peu moins de bulles que celle de Turtank. Après, t'as l'air d'avoir moins de petits trous partout. Mais non, rien à dire. Alors. Donc. Bon. Voilà. Bon, au moins, ça bouge pas. Il y a juste tout le poids est à l'arrière. Donc, il faudra voir niveau stabilité ce que ça donne. C'était un peu comme sur la Turtank où ça faisait un peu peur. On verra bien. Mais pour l'instant, tout tient. Alors, on va continuer. Avec cette pièce-là, c'est quoi? Le premier psychoquac. Psychoquac. Attends, vas-y, tu veux voir. Le premier petit psychoquac. Dans sa petite douée, et franchement. Vraiment, trop mignon. Ouais, c'est mignon, c'est mignon. Non, vraiment, le petit psychoquac là, en fait, il est en bouée à quoquac, du coup, clairement. Excellent. Ouais, bah, clairement. Vraiment très très con. Tout ce qu'on a tenté sur un psychoquac, rien à dire. Je crois bien que, de toute façon, tu le sais très vite avec l'aimant, qui, contrairement à Kyogre, ils sont là, les aimants, tu vois. Sans regarder, je l'ai entendu. Hein. Voilà. Ah ouais, non, mais là, là les aimants, t'inquiète, ils sont là. Hein. C'est clair. Alors. Oh, damn. T'as quoi, toi? Oh, t'as un premier aquaquac. Un aquaquac. Un aquaquac. Ouais, stylé, son aquaquac. Ah, il est beau. Et il est... Il est quand même bien, bien gros, en plus, hein. Ouais. Il a des petites bulles dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, franchement, il est... Peut-être un peu de jointure au niveau des bras, là, qui aurait pu être un poil plus géré, mais en vrai, c'est bien calé. Il va où, lui, du coup? Ah, ça doit être ça celui doit être du bas. Des hein. deux, l'un des je pense que c'est celui du bas au niveau du plug. Okay. On va checker ça. Mais pour moi, tu viens te mettre là, mon petit. Ouais, je pense que c'est lui. Alors... Juste que j'arrive à le foutre. Ouais. Tac. Voilà. Hop, on te pose tout doucement. Oh, très stylé. Regarde. Ah, il est bien posé en plus. Ça donne vraiment un truc comme s'il nageait. C'est ça que j'aime bien en fait avec leur nouvelle idée qu'ils ont eu avec la Turtank. T'as vraiment l'impression qu'il est sous l'eau, quoi.
c'est vraiment très stylé. Toi, du coup, tu as le deuxième. Ah ouais, par contre, je crois qu'il faudra la queue. Ouais, il faut la queue. La queue. Moi, j'ai quoi ici? Ah, là, j'ai d'autres petites pièces après. J'ai plein de petits bouts d'eau. D'accord. Bon, petit détail. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai là-dessous, moi? Oh, j'ai de l'herbe là. Je regarde si j'ai pas la queue sous la main. Je pense que j'ai un. Ah, moi, j'ai le deuxième psychopathe. Ah, j'ai une patte, je crois, il me semble. T'as quoi? Ah non, c'est un corail. Corail? Ouais, bon, après, on a toutes les pièces. Moi, je cherche juste la queue. Là, non, là-dedans. C'est peut-être un truc en dessous. De l'herbe. Non, voilà. Non, là, il y a de l'herbe. Là, j'ai fait. Ah, c'est possible qu'est-ce qu'il soit là-dedans. Ça. Oula. Tac. Non, corail. De l'herbe, alors. On va prendre la queue. Ah, tu l'as, non? C'est quoi, non? Ça doit être une petite algue, je dirais. Une algue? Merde. Ouais, c'est bien. Bon, on met la queue. Bon, on va continuer, on finira là pour la trouver. Là, on a la petite carte du coup de Psychoquac avec le numéro 170. Aucune idée de combien ils en ont fait. Je n'ai pas checké avant. Hop. Bon, on va continuer. Là, j'ai l'hippotran. Trop stylé. Il est drôle. Il est où? Il est tout. Et sur le côté? Ouais. Mais il est trop stylé. Là, le petit côté. Pailleté encore un peu. Ouais, en fait, ils aiment bien faire un petit côté pailleté. Très cool. Moi, j'aime bien. C'est des petits détails en plus, mais qui font plaisir. Voilà. Hop. Ce que j'adore, c'est que ça rentre comme papa. Oh, ça rentre bon. Tellement bien, ça rentre tellement bien. Ah ouais, depuis tout à l'heure là, on galère. Il n'y a même pas de galère quoi. Ah, attends. Et ça, c'est bien. T'as juste à essayer de rentrer dans le trou et que ça passe. Ouais, c'est ça. Bon, il doit bien avoir une queue quelque part, mais. Écoute, on va continuer, on va bien voir à la fin. Allez, on part sur quoi là? Moi j'ai quoi? Des algues. Des algues, on va continuer sur l'algue. Une minute pour voir ça. Ça, c'est un corail. Bon. Toujours aussi propre, en couleur, tout ça. Hop. C'est Kelly, ça, je pense que regarde. Hop là, oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Et ça nous change, là. C'est clair. Par rapport à tout à l'heure, on va chier. À pipe ou toi? T'as sorti toutes les autres pièces, non? Ouais, j'ai plein d'algues. Là, il manque juste une petite. La petite queue, ouais. Petite queue. Je sais pas où elle est, on va la trouver. Oh, ça se trouve, attends, elle est pas là. Ah, je crois qu'elle est là. Tout simplement. C'est bon, tant mieux. Corail. Vraiment, on est vraiment dans le même délire que la Océan Group. Hein. Mm. Vraiment, toutes les couleurs, toutes les pièces, c'est vraiment pareil. Il y a une grande différence avec. Comment ça s'appelle? Kier? Non, l'autre. Celui le gros canon. Tartank? Ouais, Tartank. Ouais, ouais, non, mais on est vraiment dans le même délire. Le deuxième psychopoï, incroyable. Il est drôle. Là, on voit vraiment qu'il est en PLS, ce psychoquac. Il essaye de nager, il n'a pas compris comment ça marche à vie. Un petit trou fait exprès en plus. Voilà. C'est parfait. Ah, c'est parfait. C'est comme Tipouf. Exactement le même principe que Tipouf. Ouais. Ensuite, il doit manquer une pièce, non? Là, à l'arrière. T'as pas une grosse pièce? Une algue ou un si, truc si, si. Ouais, voilà. Tout simplement. Donc, deuxième algue. Peut-être, ouais. Pense, ouais. Quoique, attends, c'était peut-être comme ça. Hein. Wow. Non, c'était bien comme ça, en fait, c'est juste que ça s'entremêle. Okay. C'est assez stylé, du coup, je vous fais un petit tour, comme l'arrière est fini, lui, par contre. Très cool. Bon, quelques petits détails, mais bon, ça. Ouais, mais c'est quali. Ouais, franchement. Alors, le. Ah oui, bon, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas un plug, lui, en tant que tel, là? Parce que là, je vois un trou. Ah, attends, il n'y a pas un corail. Si, okay. Si, un corail. Petit corail bleu, là. Ouais. À mon avis, il va là. Il manque une petite algue, qui est sans doute tout en bas, à côté de. C'est juste de capiche. Ah merde, je crois qu'on va se refaire niquer comme t'entends. Hein. Ah, c'est non, bon. Même pas. Ça c'est passe bon, crème. Hein. Parfait. Ça passe crème. Ah, il y a un trou, j'avais pas vu. Ouais, en fait, c'est un double plug. Donc tu peux le mettre directement et mettre alors, la queue au-dessus. Que j'arrive à le rentrer. Mais... Ouais. C'est pas le corail qui fait chier. Si, ouais, je te l'enlève. Enlève-le. On le remettra après au pire. Ah, quoique. J'arrive pas à le faire rentrer plus. Ah, voilà. Nickel. Il fallait juste le pencher. On remet le petit corail. Ça passe crème. Et ça, ça doit être. Là, sur le devant. Juste ici. Au niveau de Hippotramp. Wow. Et t'as juste besoin de le mettre au-dessus. Franchement, on aura 10 secondes alors que tout à l'heure, Rodon. Kiev, pardon. Ça va très vite. On a galéré de ouf. La petite queue. Et là, globalement, bah, elle est presque finie. Il nous manque quelques petits trucs à faire, les gars. C'est fou, je vous laisse la contempler le temps qu'on sorte les autres bouts. Mais ouais, c'est cool. Hein. Là, en gros, il nous reste la petite. Nageoire de Hippotramp. Alors, ils ont donné de la pâte à fixe, mais est-ce que t'en as vraiment besoin, contrairement à.
tout à l'heure. Je ne pense pas plus que ça que t'es sur cette pièce. Donc je vais le ressortir. Je vais reprendre le Hippotramp. Oh oui, non, t'as pas besoin en fait. C'est bien. C'est tellement clean. Moi ça me va, ça me va. Hop. Toc. Ça passe tranquillou. Et voilà, quoi là, on est sur une belle bête. Il manque des petits gouttes d'eau là. Ouais. Alors attends. Ça, ça va dans la bouche. De la bouche. Ouais. De... ouais, ça va dans la bouche, ouais. D'accord, quoi. Ça, exactement ça, ça va dans la bouche. Ouais, c'est stylé. Alors lequel va dans lequel? Là, on va checker. Hein. Peut-être l'autre, hein, tout simplement. C'est possible. Ouais, c'était l'autre, ouais. C'est pour ça. Ouais, c'est trop bien. Celui-ci. Et il m'en reste un tout petit, mais je sais pas où il va, de trucs d'eau. Bah, c'est de l'autre côté de la bouche, non? Bah, non, là j'en ai déjà l'autre, mais il m'en reste encore un après, un tout petit. Peut-être d'hippocampe, non? Hippocampe. Ah, ouais, bien vu, c'est ouais. Ça, c'est sur hippotrempe. Hippotrempe, pardon. Ouais. Tu veux une anecdote? Un jour, j'étais en grec, j'avais oublié qu'on disait hippocampe et j'ai écrit hippotrempe. Voilà, fin de mon anecdote. Voilà, voilà, les gars, vous saurez que j'ai confondu et que pour moi, le vrai nom, c'était donc hippotrempe. C'est quelque chose, quand même. Par contre, c'est un petit peu plus galère. Attends, par contre, les aimants, une fois que c'est mis sur ça, ouf, au moins, je peux aller passer en un bloc. On peut pas les faire tomber, à part si tu fais une grosse merde. Ouais, c'est ça. Comment ça rentre? Ah! Un petit peu sur le côté, c'est ça? Un petit peu sur le côté. Puis alors, c'est ça. Voilà! C'est vraiment tout nickel. Et voilà! C'est tout mignon. On a monté tout. La pâte à fixer, pas besoin pour celle-là. Il me semble qu'on a. Ah, d'accord. Ouais. Vraiment, j'ai pas vu de trou. Voilà la merveille, les gars. De toute façon, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, vous aurez des gros plans sur la statue. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Vas-y, dis tout ce que tu veux. Elle est mignonne. Est-ce que tu vois un défaut? Enfin, genre un truc que t'aurais préféré autrement ou... Franchement, non. Même pas des LED? Des LED, ouais, tu veux les mettre là-dedans peut-être? Ouais, je sais pas. Je sais pas. T'aimes bien les LED d'habitude? J'aime bien les LED, ouais. Mais dans celle-là, il y a peut-être pas besoin. Quoi. Franchement, dans comment dire, Tortang, j'aurais préféré, mais là. Ouais, disons que Tortang, t'avais aussi une vague, ouais, t'avais vraiment beaucoup plus d'eau. Tu vois là, c'est vrai que. Il y a tellement moins que. Il y a beaucoup moins. Ouais, non, ça c'est cool. Bon, je vous la fais tourner à la main au passage. Ça, toi, tu veux, si tu vois, moi je vois. Ouais, je regarde comme ça. Est-ce que j'ai un truc à dire? Franchement, pas grand chose, hein, les gars. Bah, y a pas grand chose à dire. Tout est vraiment extrêmement bien fait niveau jointure et tout. Tu vois presque, enfin, tu vois rien, même en fait. J'ai envie de te dire juste un peu à l'arrière parce que bah, forcément, il y a un plug dans du sable avec un truc vert. Tu vois juste la démarcation, mais sinon. Tu mets à côté d'un aquarium, ça fait bien, tu vois. Bah, de ouf, hein. Non, franchement, elle est vraiment extrêmement belle. Oui. Tout le paint est beau. Tous les Pokémon, il n'y a vraiment aucun défaut. Non, bah, elle est excellente. Ouais. Je pense que là, la vidéo va être assez rapide parce qu'on l'a vraiment montée en 15 minutes. Mais c'est pas grave, elle est vraiment excellente. Et les Psy-Quack-Quack, j'adore parce qu'on a vraiment le côté complètement con de ce Pokémon. Quoi. De toute façon, à partir du moment où ce Pokémon a juste mal au crâne parce qu'il réfléchit, c'est compliqué. Quoi. Bon, c'est sûr qu'il y a moins de Pokémon que dans celle de Tortank. Ouais, après, le prix aussi était moins. Alors, je crois que c'est. 250 euros, je crois, livrée celle-là. Okay. Donc, bon, après, voilà. Elle est quand même. Mais elle est incroyable. Ouais, ouais. Bah, moi, j'ai rien à dire. Je suis extrêmement conquis. Moi qui voulais un truc de Psy-Quack-Quack parce que j'aime beaucoup ce Pokémon pour une simple et bonne raison. Il est juste con. Il est teubé. Il est juste teubé, ce truc. Il sert à rien. Et je pense que enfin, comment dire, le truc qui répond vraiment au fait qu'il est teubé, c'est quand même que la bouée. Parce que là, il ne sait pas nager alors que c'est un Pokémon aquatique. Quoi. Mmh. On est quand même sur l'excellence de la connerie. Tous les plugs, ça... Non, mais dès que ça... tu le regardes, tu te dis, mais il est giga con. Ouais, non, mais en plus, là, vraiment, vous verrez peut-être un peu plus sur les gros plans. Ils l'ont fait en train de chialer parce qu'il est en train de paniquer, quoi. Ouais. T'es censé être un canard, mon ref. Hein. Mmh. T'es censé pouvoir nager. Dans ma tête, j'ai le son qu'il fait, tu vois. Il quoi, ouais, je te jure. C'est trop bien. Ouais. Donc, bah non, encore une fois, X-Studio nous a régalé. Je trouve que d'ailleurs, par rapport aux premières qu'ils avaient faites, donc toi, tu les as pas trop vues. Non. Mais c'était quand même d'un mauvais qualité, tu vois. Ouais. Genre là, vraiment, ils ont vraiment fait des trucs beaucoup plus quali maintenant, je trouve, entre Tortank, bah, celle-ci. En tout cas. Ouais, bah franchement, à partir de ces deux-là, pour moi, ils sont vraiment devenus très quali, tu vois. Tant mieux. J'arrive au bon moment, quoi.
C'est clair. Là, après, en next studio, bah, il continue de faire. Donc, forcément, on aura celui avec Dracaufeu pour le type feu, celui avec Floriza pour le type plante. Ils ont aussi fait le type glace avec Loclas, que je n'ai pas pris pour l'instant, pour une simple et bonne raison. C'est que dans le truc de type glace, il y a Loclas qui est cool et tout. La statue est super belle, mais à un moment, la place va commencer à être en bégaiement. Et vu qu'il y a 1000 Pokémon, tu vois, je choisis ce que vraiment je veux. Tu vois, tu préfères. Voilà, c'est ça. Genre, Psycho-Quack. C'était une obligation, trop con, c'est ce qu'on aime. Ça, c'est la base. En plus, le petit hippotrempe qui vient se rajouter, magnifique. J'espère que, d'ailleurs, pourquoi pas PPAP fasse comme ils font souvent, tu vois, avec un hippo-roi. Genre, les trois évolutions seraient incroyables. Ah ouais, ce qu'on avait fait avec... ouais, c'est ça. Donc, bon, on verra bien. Bon, en tout cas, je pense qu'on va cesser là-dessus. Bah. Ton verdict, c'est que ça, par rapport à Kyogre, tu préfères celle-là ou Kyogre? Sans compter le bordel. Sans compter le bordel, en vrai, les deux se valent. Ouais, moi je pense que sans compter le bordel, je préfère un peu plus Kyogre. Parce que c'est vraiment très très harmonieux. Bien sûr, il y a plus de détails. Et puis bon, déjà tu payes aussi plus de 100 balles de plus. Voilà, donc bon, à un moment, tu payes un tiers de plus. Encore heureux. Heureusement. Ouais. Tu y as un peu plus de détails. Ouais. Mais je trouve que sur celle-là, X Studio, pour un rapport qualité-prix aussi incroyable, je peux que la conseiller. Moi. Enfin, je crois qu'elle est déjà sold out parce qu'elle a bien marché. Hein. Ah ouais? Bah, Psycho Quack. Ouais. C'est vrai que c'est quand même. C'est vendeur. Quoi. C'est un monument. C'est vrai. C'est... Tout le monde le connaît. Hein. Voilà, c'est ça. Tu vois, Kyogre, tu t'en rappelais vite fait. C'est vrai. Alors que c'est quand même un légendaire. Psycho Quack, il sert à rien, tout le monde le connaît. C'est clair, net, précis. Pas grand chose d'autre à dire. La boîte qui est par contre beaucoup trop grosse pour ce que c'est. Au moins c'est bien protégé. Ouais, au moins c'est bien protégé, ouais. Mais alors là, vraiment, la boîte elle est énorme par rapport à la taille de la statue, c'est incroyable. Bon, bah, on va vous laisser là-dessus, les gars. On se retrouvera pour d'autres vidéos plus tard. Bonne semaine à tous. Et à plus. À la prochaine. Bon, incroyable.